Madame, Monsieur, chers amis, pour la deuxième année consécutive et en raison des conditions sanitaires, vous le comprendrez, il ne nous est pas possible de présenter la traditionnelle cérémonie de vœux. La ville vient de recevoir un prix, la Marianne d'Or, pour son jardin éphémère. C'est donc naturellement que j'ai choisi cet endroit pour vous présenter mes meilleurs vœux 2022. Bien entendu, j'ai une pensée pour tous nos soignants et pour tous ceux qui travaillent à domicile et qui s'occupent de nos aînés dans cette période extrêmement difficile. Vous savez tous à quel point il est bon et doux de vivre au Puy-en-Velay. Avec mon équipe, nous travaillons sans relâche pour continuer à améliorer notre ville et son cadre de vie. Dans le cadre d'un joli projet de redynamisation du centre-ville, la place du marché couvert et sa halle gourmande seront entièrement réhabilitées dès juillet 2022. Notre ville est belle et attractive car elle est riche de commerces indépendants et je profite de l'occasion qui m'est donnée pour remercier et féliciter nos commerçants. Nous avons au Puy des associations culturelles et sportives exceptionnelles. J'assure les présidents et bénévoles de mon soutien sans faille. Avec mon équipe, nous vous souhaitons à toutes et à tous, ainsi qu'à vos familles et vos proches, une nouvelle année riche de projets, de joie et de réussite. Je forme le vœu que 2022 vous garde entouré de ceux que vous aimez en bonne santé.